Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup pour cette nouvelle session de tournage sur Mario et les lapins crétins. Alors pourquoi je dis session de tournage? Parce que je pense que du coup maintenant je vais faire comme avec Mario Odyssey, c'est-à-dire je vais tourner pendant une heure et demie. Et ensuite je découperai ça au montage en plusieurs épisodes. Ça dépendra de combien de temps je mettrai. Je sais pas, 15-20 minutes, on verra. Et du coup, on était rendu au monde 3 la dernière fois que je les ai laissés. Et hop là, le monde Frousseland. On était rendu au monde 3. On n'avait pas encore parti au monde 3. Ah, ok. Ouh, il va y avoir des fantômes et tout, des mécaniques de gameplay sympathiques. Je le sens. Je sens que j'ai bien aimé cette zone. Pourquoi j'ai une autre statuette là? Ok, on va apprendre à casser les cailloux après. Je le posais aussi sur lui. Voilà. Je peux le récupérer. Hop. Hop. Tiens. Tiens. Vite. Hop. 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 Vite. Hop, 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 hop. Tu peux le faire. Allez, Mario. Deux. 7 et 8. Magnifique. C'est bon, il y a un bout enchaîné. Ah mais du coup c'est vrai que les méchants de Mario du coup c'est pas. Ils sont tous emprisonnés à cause des lapins. Mais du coup on va avoir des lapins. Des lapins boue. Des boue crétins. Oh ça va être trop drôle. Ça va être sympa tout ça. C'est quoi ce bruit? Ah ok ils sont. Parce que du coup il fait nuit, ils dorment. Ah c'est génial. J'ai bien aimé ce monde là. Frousseland, un endroit qui porte bien son nom visiblement. Forcément Luigi qui a peur. Une trace de bordure gênante du spawny. Ils peuvent être n'importe où. Un message. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un fameux artelope. Voilà. Ah, peut-être notre mystérieux bienfaiteur a les réponses que nous cherchons. L'officier d'avoir trouvé Frousseland, c'est cool, non? Regardez le portail devant vous. Oh. Wow, notre ange gardien a du talent. Au-delà du portail de la lune se trouve le remède au fléau qui ravage le royaume champignon depuis trop longtemps. Un héros endormi se lèvera pour sauver le monde. Mais pour l'atteindre, vous devrez d'abord trouver les deux les reliques du bien. Oh, ce serait trop drôle si notre bienfaiteur, en fait, c'est Yoshi. En fait, Yoshi, il sait pas parler, mais il sait grave écrire. Trouvez ce relique et le héros, le fantastique Monsieur Tom Fan, apparaîtra pour chanter sa joie de vous voir. Oh, magnifique! Bien, nous n'avons pas beaucoup de pistes, mais nous avons un plan. Allez, trouvons ces reliques. Ok. Seul un très puissant enchantement serait capable de maintenir un bout en place comme ça. Soyons prudents. C'est des enchantements, donc c'est le mec là, qui est dans son manoir. Et qui en doit ramener des reliques. Non, j'ai oublié le nom là. Ah oui, Monsieur Fang, je crois. Ça. Deux socles une cuillère et deux reliques du bien à retrouver. Il y a sûrement un lien entre ces socles et ces reliques. Ok. Ouais, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Ah. Premier combat. Vaincre 10 ennemis. Ah, faut que je me remette dans le bain. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Bataille. Alors Mario. Tu tacles lui. Tu te mets là. Et tu l'achèves. Voilà. Oh, trop bien, il a des tatouages derrière lui. Et d'appuyer ça. Bon, Luigi.
tu le tacles. Et tu vas te cacher ici. C'est pas mal, sinon. Non. Ou non, là. Allez. Comme ça, t'as chassé celui-là. Hop là. Tiens. C'est bien, il... Je fais jouer deux alliés et il y a deux ennemis qui meurent. Hop, tu tacles lui, tu tacles lui. Et tu vas te cacher ici. Dommage que mon tacle est un poil trop faible pour les achever tous les deux. C'est dommage. Ah, mais là je les ai. Parfait. Il est magnifique. Et puis récupère 3427 de vie. Tellement cheaté. Allez, tour de l'ennemi. Hop, il prend un coup dans la tronche. Bien. Il y a des gros patapauves qui se préparent là-bas. Ça sert à rien où tu t'es mis là, putain. Ça s'est fini de là-bas. Pas grave, Mario il a pas mal de vie. Ah, vas-y, tue-le. Oh shit. Dégâts d'armes plus 1%, on a pas vraiment besoin. Il nous faut aussi de la moerté. Celui-là il a 100% de la main. Ouais. Ça c'est efficace. Genre il est pas mort. On est dessus là. Tour de l'ennemi. Il va prendre un petit peu dans la tronche. Qui va sortir clé aussi normalement. Voilà. Merde, Luigi est mort. On n'aura pas un 100%. Je pense que c'est que des pièces qu'on récupère quand on fait un full 100%. Donc... Oui, normalement il voit pas. Hein. Alors et toi maintenant? Bref. Tiens. Tour de l'ennemi. Putain, j'avais pas vu qu'il y en avait là-haut. Genre lui d'où il touche à 50%. Là. Mais il peut se régénérer, c'est pas grave. Alors... Putain, je peux en tacler aucun. Vas-y, fous-moi de l'encre. Une des super effets. Non, tire pas l'encre, putain. Alors déjà on active ça. Puis ensuite on va attaquer lui. Je peux pas attaquer deux fois. Non, je peux pas attaquer deux fois. Après il va se cacher ici. Il se cache pas là. Va te mettre là-bas. Oh, j'aurais dû le laisser à côté et faire un gros coup de marteau dans la gueule. Parce que le marteau il fait 165. Pas grave, je l'ai eu. Hop, tour de l'ennemi.
Alors toi, du coup, bah, tu vas commencer par très jeune, hein, en défonçant. Puis là. C'était long. Un peu. Le big de l'arme, bon, c'est pas très important. Là, on récupère ça. Et ça aussi, là. On se positionne ici. Et on tourne. On tire là-dessus pour le congeler. Hey, hey. Ça fait quoi qu'il les congelé du coup? Ça sert à rien qu'il les... Ah, meurt. Boum, en plus t'aimes mieler. Pas mal. On a dépassé le tour et on a un autre combat. Il bronze bien pourri. Cette grande porte là-bas vient de s'ouvrir. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah. Notez que ces plus petites toits sont également ouvertes. L'architecture de ce lieu aimait clairement les portes. Il faudra peut-être aller voir où elles mènent. Youpi. Youpi. Hop, l'arrêt du droitier. Donc là on ne peut que descendre. C'est à dire qu'on revient par ici. Et là je suppose que c'est la même. Ok. Hop, 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 hop. Un petit coffre. Musique. Très utile les musiques. Oh les pièces. Non, une musique dans l'autre, c'était un schéma 3D. Une arme au bout d'un moment. Non, non, c'était ça le schéma 3D. C'était quoi déjà l'autre? Je sais pas. Je sais plus. J'ai pas vu le tuyau ici. Et là, 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 une arme par contre. Non, encore un schéma 3D, acolyte flippant. Nul. Yahoo. Ok, c'est le dernier qui fait toujours du bruit. Allez hop, avançons. Porte. Ouais, ouais, ouais. Faut pas ouvrir les portes, donc c'est dommage. Là, j'y parle, donc je vais de l'autre côté, hein. Hop. 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 Il est là. Hop là. Bon, il est là-bas. Et du coup, c'est quoi ça? Un code secret, un truc dans un. Ouais, bah c'est faux.
Je sais pas. Hey, une nouvelle arme. Problème épineux. Non, c'est pas ce bouton là, c'est X. Arme. Problème épineux. Contre les Valkyries. Ouais. Hop. Vous êtes déjà dans le fond. C'est bon, ça.